deviens une nouvelle créature. Donc, dès que le Seigneur, dès que tu te relèves, en fait, ben, t'es changé, en fait. Tu ne dois même plus penser aux choses du passé. Le Seigneur, il a déjà tout accompli. D'accord? Et après, c'est une continuité. Il faut lire la parole. La Bible, c'est notre guide. Donc, tu dois lire beaucoup la parole. Enfin, oui, tu dois la méditer, tu dois la manger. Ouais, ouais. Parce que le fait aussi que tu as reçu ta délivrance, tout ça, ben, l'ennemi ne va pas te laisser de tout repos, comme le frère t'expliquait. Ils vont être là, ils vont essayer de te faire retourner vers les choses que tu aimais auparavant. Mais il faut persévérer et tu es entouré de frères et de sœurs. Selon comment le Seigneur te conduit, n'hésite pas à demander, par exemple, d'être soutenu dans la prière ou dire bon, j'ai un peu des difficultés. Ne reste jamais seul parce que l'ennemi, parfois, il aime nous mettre à part et il nous fait tomber à part. Et après, on a honte. Il ne faut pas avoir honte avec le Seigneur parce que personne n'est parfait. Donc là, tu vas t'installer. Je vais te plonger au nom de Yeshua. Alléluia. Nous te bénissons au nom de Yeshua, ma chérie. Alléluia. Alléluia. Alléluia.